De ces prières, j'espère que vous allez tous et toutes bien, les amis. Désolé, on a eu un petit bug. Facebook ne voulait pas lancer mon live. J'ai eu un petit bug avec Facebook, mais bon, c'est pas grave. On est là, on est là, on est bien, on a bien réussi. Donc voilà. Bonjour à tous et à toutes. Salut Nico, comment ça va? Merci pour le partage. Merci beaucoup. Bienvenue tout le monde. Donc, on est sur Assassin's Creed Origins et c'est l'épisode numéro 20, les amis. Nous étions en train de faire nos quêtes annexes, puisque je fais moitié quête annexe, moitié quête principale. Donc voilà, on va essayer de voir, de se faire, de continuer les quêtes. Je crois qu'il me reste deux quêtes annexes. Et il doit pas m'en rester. J'ai qu'une seule pour l'instant. Qu'un seul morceau de la quête principale. Donc voilà, on est tranquille. Donc on est bon, c'est parti les gars. Let's go. Alors, j'avais commencé un peu à faire cette sorte de quête où il fallait que je bute des trucs. Il faut que j'aille là-bas. Ah bah oui, donc voilà. Il fallait que j'aille là-bas puisque je fais les quêtes annexes aussi en off. Et là, salut Marie, comment ça va? Et là, je me suis rendu compte pendant cette quête annexe qu'il y avait un grand fort géant à se faire. Donc je me suis dit, ah non, ça, salut Ludo. Ça, c'est sûr et certain que je vais le faire en live, ça, parce que ça, c'est énorme. On va y aller discretos si on y arrive. Parce que là, par contre, c'est énorme le truc. C'est un château le machin. Donc, pas sûr qu'on y arrive sans se faire repérer. Mais on commence à s'améliorer au niveau de discrétion. Donc, bon. Jibad est sans doute dans cette forteresse. Surtout en plus, si je veux faire les autres Assassin's Creed, à ce qui paraît, il faut être vraiment super discret. C'est quoi ça? C'est un tigre qui m'a vu. Alors voilà, donc ça c'est pas mal. Donc on en a déjà trois pas mal. Oh putain, on en a déjà un là. Je pense qu'il y a des endroits. Ils ont pas l'air d'y avoir 3 milliards de personnes par contre. Donc ça peut être pas mal. Salut JS, comment ça va? Ouais, franchement, beaucoup mieux là. Depuis que j'ai commencé les antibiotiques, ça va vraiment beaucoup, beaucoup mieux. Alors lui, il est de dos. Là, toi. Il m'a vu, lui. Non, c'est bon. Je vais devoir être prudent. Ok. Donc, faut voir. Donc ouais, il va falloir que je fasse super attention parce qu'il y en a un qui est juste là. Ah, carrément, on a une biche normale. Il est parti le mec. Il est parti. Et là. Ah, mais là j'ai peur que ça soit trop. Putain! Je t'ai pas demandé de te lâcher, mec. Il faut vite que je rentre parce que je vais me faire repérer sinon. Ouais, c'est bon. Ok. Ah, tu m'étonnes, tu as une flemme. Je te comprends, je te comprends. Voilà, je peux me faire voir. Putain, là, ça va être compliqué. Je me suis dit, ah, il n'y a pas trop de monde. Ouais, ça, il y a du monde quand même. Alors, là, ils sont combien? Je crois qu'ils sont. Ok, c'est bon. Ouais, mais là, il y a l'autre qui revient, là. Va falloir qu'on fasse. Salut Sabrina, comment ça va? Coucou! Comment ça va Sabrina? Pourquoi l'écran est noir? Ah! Moi c'est bizarre. Je sais pas, il y a eu un bug. Merci Sabrina. Ouais, c'est clair, c'est maintenant qu'il le dit. C'est pas grave. Bon, ça fait pas longtemps qu'on a commencé le live donc. Non, si t'as le chat, je mets pas l'image du jeu. Non, ça va beaucoup mieux, Sabrina. Salut Léo, comment ça va? Bienvenue à toi.
Bon. Comment je vais faire? Ah là là. Il monte les escaliers, lui. Parfait. Donc ça, c'est nickel. Comme ça, on va pouvoir lui buter sa gueule à lui. Faudrait que j'arrive à les attirer tous un peu au fur et à mesure. Par contre, toi, il faudrait que je te récupère. Et sinon, on va te voir. Voilà. Pose-toi là. Fais voir, attends. Lui, il est de dos, donc lui, c'est pas mal. Le mec de là-bas, il est parti. En hauteur, il n'y a personne. Alors, il faut faire super attention qu'il ne se retourne pas. C'est pas mal. Pour l'instant, on n'est pas trop mal. Pour l'instant, tu vois, on n'est pas trop mal. Donc ouais, je disais Sabrina, depuis que j'ai commencé les antibiotiques, c'est quoi hier? Ça va déjà mieux. Hein. J'ai beaucoup moins mal à la gorge et tout. Bon, vous le voyez, vous l'entendez, hein, j'ai encore la voix super enrouée, mais je trouve qu'il y a une évolution. Ok. Alors là, on a du monde là-haut et là-haut. Ce serait peut-être pas mal que je les bute. Merde. Et là, on va me voir ici. Et oui. Par contre... Si j'arrive, voilà, derrière toi, mon petit chat. Bon, descend, descend. Voilà, monte là. Non, descend. Rentre, je voulais que tu rentres. C'est chiant. Hein. Voilà, toi, t'es mort. Ça, c'est pas mal. Comme ça, je peux rentrer sur l'autre en face. Et c'est pas mal. Mais non, mais sauf que toi, t'es arrivé avant Sabrina, Ludo. T'es le premier qui était sur Twitch. Tu aurais dû le voir tout de suite. Ok. Bon, le but, c'est de buter tout le monde quand même, tu vois. Histoire de pas avoir l'alarme qui se sonne. Sonner et après à ce moment-là je pourrais buter les deux cons. Ou descends, descends. Vite te faire voir, mon ami. Pour l'instant, on n'est pas trop mal. Au niveau des discrétions, on est bien. Ah, il croyait que c'était sa tablette. Voilà l'excuse bidon. Bienvenue à tous les gars. Ok. Alors là on est bon. Ici on est bon. Voilà. Là. Ça c'est la cargaison qu'il faut que je défonce. Ça c'est les trésors. Ok. Hop, 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 toi là. Vous êtes au-dessus de moi, je pense. Alors là où je suis, normalement, il n'y a plus personne à part lui qui est au-dessus. Il va falloir qu'on s'en occupe. En plus, il y a plein de trésors ici, là. Il y en a 4. C'est une entrée secrète. Ok. Donc, j'en ai un qui est au-dessus de ma gueule. Qui est là-bas. Le commandant du fort refuse toujours de se... Je peux le toucher. Parle de quoi? Du tigre là? Ouais, bon, on va éviter de se faire choper. Oui, chouchou. Je...
D'un côté, si le tigre pourrait m'en buter quelques-uns, ça m'arrangerait l'histoire. Salut ma petite Chantal, comment ça va? Donc je pense que lui, il est possible qu'il vienne sur moi. Ça m'arrangerait. Ça m'arrangerait que tu viennes chez moi, là, mon ami. Voilà, parfait. Par contre, il faut bien que je reste caché. Quoi? D'autres soldats seront bientôt là. Nous serons quatre fois plus nombreux. Il devra céder. Il essaiera de se retrancher dans sa forteresse. Nous les assiégerons pour Mais il se barre, non? Excellente idée. À deux, on ne se fera pas. Ok. Voilà, je les fais re-rentrer parce que moi le but c'est quand même de les buter quoi. Ça va être chaud quand même là de les buter tous. Surtout s'ils sont ensemble. Hein. Vous pouvez pas vous séparer, bande de trous ducs là. Ils font chier ceux-là. Ah, toi t'es tout seul. Lui il monte, non, c'est parfait. On meurt. Ah mais là, si je le bute à lui, je vais me faire voir. C'est chaud. Trop tard. Putain merde. Oh putain, oui, il est chaud. Je crois que je lui laisse le temps de bouger en fait. Faut pas qu'il alerte qui que ce soit. Bouge, bouge, bouge. Allez. Oh putain, merde. C'est bon. Ok. Ah merde, t'as un gros rhume toi aussi. Moi j'ai eu. Parce que là ça commence à aller mieux. Je me suis chopé une grosse angine de fou. Ouh. Ça, c'est bon. C'est chaud, là. On en a là-haut, là. Oh, piou, piou. Est-ce qu'il va rejoindre l'autre? Trop tard. Il descend ou pas lui? Non. Ici. Il y en a un qui avance. Oula, ça va être chaud. Ça va être chaud quand même. On va essayer. Salut ma petite Mylène, comment ça va? On va essayer. Hey. Merde! Oh mais t'es sérieux? T'es sérieux? Tu as pas voulu y aller quoi? Tu t'es dit non finalement, le but est en traître. Non, non, j'ai pas trop envie. Je veux te faire chier, meuf. Ok, on en a un là. Là, j'ai pas l'air d'en avoir. Non. Alors, par contre, lui. T'es où? Ah, mais elle est partie. Tu t'en vas? Reviens, il y a les mêmes à la maison. Là, c'est chaud. Vu. Oh, t'es nul à chier, mec. Ok. Merci beaucoup, JS. Bonne journée à toi. Bon courage. On est bon, on est bon. Je prends mon temps, les gars. Je veux bien les buter, tranquille ou bilou. Hop, petit trésor.
On en a du monde au-dessus ou pas? Non. Okay. Un autre trésor. Ça, en même temps, de toute façon, on récupère les trésors. Par contre, les médicaments, les antibiotiques... Merde. Où ça? Qui parle? Il me donne des brûlures d'estomac, c'est horrible. Dégueulasse. Alors, toi, là... pas pouvoir lui petit sa gueule. C'est chaud. Alors lui il est assis. Quand ils sont assis c'est toujours un peu plus facile de les buter. En plus c'est l'un des boss là. Ok. C'est parfait. Ok, donc. Il y a quoi là? Des trucs à récupérer. Ok. Bienvenue à tous, les gars! On est bon. Non, mais là, c'est une troupe là! On chie. Ok. Mais là, ils sont toute la meute. Des nouvelles de Siwa? Non, j'ai envoyé une patrouille prendre contact. Le capitaine Atras doit être occupé à tous les niveaux. Ok, c'est reparti. Ça me permet de pouvoir buter lui là-bas, là. Ils sont pas... ils sont juste à côté. C'est bon! Coucou mon petit Nico, comment ça va? Ok, donc là, on a buté... toutes les personnes du lieu. Du lieu, on dit bien. Mais il me reste encore ces fameuses personnes-là à buter. Bon, lui va me voir, hein, mais on s'en fout. Même pas. Oh, t'es vraiment une quiche lorraine, mec. Trop nul. C'est chaud. Ok. Donc... on a lui à dégommer là. On a la charrette à enlever aussi. On en a un qui reste là. Il n'y a plus grand monde, hein. Donc on a bien réussi à bien tout nettoyer. Salut Cédric, comment ça va? Je pense pas qu'ils vont se séparer de l'autre, hein. D'accord. Compris. Ouvre grand les yeux. Ouais, total. T'es de la grosse merde, mec. Mon vu? Merde, mon vu. Le mec il a pas voulu venir me buter, il est monté, il est redescendu. Ouais ça va un peu mieux Nico, merci. C'est qui me tire dessus? Tu ne tireras rien de moi.
Ce n'était pas de la colonisation, mais une libération. Nous ne voulons que la gloire de l'Égypte. Je pense que là, c'est la bonne position parce qu'ils vont venir. Ah, mais même pas. Quoi ? Inutile de fuir ! C'est coriace ! Allez, viens. Hey. Inutile de fuir. Oh putain. C'est bon. J'ai la cible en vue. Oui, moi aussi. Et où l'autre con? Il est là. Non. Allez, je vais y aller. Apportez. Je vais te tuer. Okay. Je tiens à toi. Ah merde, c'est toi que je vais buter, mec. T'es où? Ici. Tant moins. Ça c'est bon. Bon, au final, c'est pas trop mal débrouillé. On va détruire les chariots. Oh, t'inquiète, ça va aller. Moi, souvent, j'ai de la tension, c'est pas grave. Ça dépend, en fait, si t'es fatigué, souvent. J'en avais souvent, maintenant, beaucoup moins. Ça dépend de ton taux de fatigue et tout. Souvent, quand t'as mal, quelque part, quand t'as des grosses douleurs et tout, t'as la tension qui monte. Alors, on va péter ça, là. Voilà. Plus qu'un. Voilà. Et on va aller libérer nos chers petits amis. Là. Les pauvres. Ils sont... Allez, barrez-vous. Quoi ? Vraiment très gentil. Merci beaucoup. Il faut que je parte. Allez, descends, on te pique tout à l'heure. Allez, ciao. Ok. Donc, nous avons terminé le lieu. Nous avons tout récupéré. Nous avons buté tout ce qu'il y avait à buter. Prochaine destination, ici. Et je crois que ces endroits-là, je ne les ai pas encore faits. Donc, on va se téléporter là. Merci, Nico. C'est gentil. Bienvenue à tous, les gars. Voilà, on n'est pas trop mal. Donc, voilà. Après l'angine, maintenant, j'ai les brûlures d'estomac, les goûts dégueulasses, bizarres de la, du médoc. Même avec le vinaigre de cidre là que je bois, j'ai encore ce goût aigre là. Oh. C'est affreux. Allez, c'est parti mon petit chat. Attends, par contre, ouais, ça va me faire aller directement là. Ah ben j'aurais, quoi que c'était kiff. Ouais, je vais aller direct et après on ira ici là pour débloquer au moins le lieu. Ça, moi, ça sera fait. Bienvenue à tous les amis. Comme ça, cette quête, elle est faite. Je pense qu'il va m'en rester deux autres de quêtes annexes avant de continuer à faire la quête principale.
Alors, j'ai l'impression que c'est derrière les montagnes. Normalement, je pense qu'on peut passer de ce côté, mais je suis pas sûre. Au pire, je descends de mon cheval et je le reprends après. Bon, je pense que ça peut le faire, il peut passer. Oh. Ouais, nickel, il passe. Attends, ok. Possible qu'on soit bloqué à un moment donné. Ouais. T'inquiète pas, hop. Je te rappelle après. Parce que ça ira beaucoup plus vite en passant par là qu'en faisant tout le tour. On a bien avancé là dans le jeu, je trouve. C'est pas mal ça. Surtout que là, on fait les deux, on fait quête annexe et quête principale, donc on a bien avancé. Allez, mec. Attends, est-ce que tu peux descendre? Ah ben voilà, encore un lieu. Ok. Ok. Ah ben c'est juste en dessous de moi. Ok, on a deux autres trésors. Un troisième. Ok. Il y en a des trésors ici, du moins. Donc voilà, il y a une entrée par là avec une sortie par ici. Ok. On va passer par cette sorte de petite entrée secrète. Secret. Ok, nickel. Salut tout le monde. Jamais on me voit ici. Donc on a deux. Bon, ils sont pas non plus 3000 là, donc ça peut aller. Ça me mène où ça? Ah. Hop, hop, hop. Sois discrète, copine. Là, il n'y a pas un son. On va aller buter l'autre qui ronfle. C'est pas mal, on s'améliore de mieux en mieux. On est tous concentrés, c'est ça. Tu sais, du fait que je dois être discrète, personne ne parle. On est en mode discrétion. On est tous discrets. Bon.
on va pouvoir péter la cargaison là. Un instant. Est-ce que... Ah. Tu ne ressembles plus à un être humain. Tu ne ressembles à rien. Désolé, tu nous as interrompus. Voilà, et voilà pour leur pot de vin. Très bien. J'ai fait ce que je pouvais. Je vais aller voir Otis à Alexandrie. Il aura peut-être appris à quoi réfléchir. Salut Liès, comment ça va? Bienvenue à toi. Bienvenue à tous. Alors attends. Non mais là on n'a pas fini, faut qu'on le fasse le lieu là. Là, on a un cadeau en plus ici. Fais dodo. Voilà. Nous, on arrive normal, on pille tout le monde. Ok. Ah ben voilà, on a eu les deux capitaines. Il y en a un autre. Alors, attends. Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je monte pour déconnecter, pour comme ça ils peuvent pas appeler les renforts. Bon, tout à l'heure ça m'a pas servi, hein, puisque au final on a été discret tout le long. On a réussi à buter tout le monde sans se faire vraiment repérer. T'avais lui là-bas. T'as lui assis là-bas. T'as lui en face. Ah ok, d'accord. Tu pouvais que glisser avec ça, d'accord. Noté. Ah merde! Eh ouais, désolé, je choisis pas où est-ce qu'ils mettent les pubs sur Twitch. Mais j'attends un peu là. Salut Corinne, comment ça va? Ça va bien ma petite Corinne? Attends, non, normalement la pub c'est que c'est 30 secondes, je crois. Oui, je t'ai dit coucou Lies, comment ça va? Ah, t'es level combien sur le jeu? Je me bute en ce moment aussi. On est au level 38. Tiens, mais je vais le mettre comme ça là. On est au level 38 de base là. Donc voilà. On est au level 38. Merci beaucoup, Corinne, pour les étoiles. C'est adorable. Merci à toi. Ça, c'est bon. Donc, voilà. Non, je t'avais pas encore répondu, tu vois. Je l'avais pas vu, le message. Donc, c'est super bien tombé. T'as pas raté ma réponse. Alors, lui, il est là, là. En plus, il est de dos. Allez, on te bute ta gueule. Non, mais fais pas. Mais tu m'énerves quand tu fais ça, mec. Je vais me faire repérer à cause de ta connerie, non.
Je vais super bien, merci beaucoup, ma petite Corinne, merci beaucoup. Super bien. Je vais beaucoup mieux parce que j'avais une grosse angine. Mais ça va mieux. Ça fait long feu, mon petit copain. Ok. Et donc, il me reste un seul trésor. Il est où le trésor? Ah, il est là. Ah, ben, il est juste au-dessus. Il est juste au-dessus. Allez, et après, on sera bon. Oups. Oh, non. Ah, c'est gentil, merci, Corinne. Non, t'as pas reloupé la réponse, yes. Donc, ouais, je suis niveau 38. T'as vu, ça fait déjà deux fois que t'as un coup. Je veux pas le buter en mode thread. J'ai pas compris. Bon, on a plus besoin d'être en mode discretos là maintenant, c'est bon. Ah, ah putain, c'est eux là. Je peux pas les voir. Ils m'énervent. Voilà. Elle est où mon petit cadeau là? Et on est bon. On a fait la zone. Elle n'est pas là. Attends, il y a un truc. Attends, elle me dit que c'est à 14 mètres. Attends. Ici. Je pensais que c'était là. Donc en fait, ça doit, il doit y avoir un sous-sol. Il doit y avoir un sous-sol, c'est pas possible. J'étais là tout à l'heure. On dit 26 mètres. Oh merde, je l'ai pas vu. Putain, mais t'es caché derrière. Merci, Lies, c'est gentil. Merci, bienvenue à toi. On est bon. Ah non, pas encore. Attends, c'est quoi que j'ai manqué là? Attends, je l'ai validé ou pas la zone? Ah oui, oui, ça y est, c'est bon. C'est validé. J'avais pas vu qu'il y avait marqué zone terminée. Mais... Donc alors, maintenant, on doit aller retrouver notre pote à la compote qui est à Babelouette de la City. Et voilà. On est bon. Ok. Efficace. Emballer, c'est peser. Oh, putain. Ça c'est validé. Bon, on va valider la quête. Et on sera bon. Ah merde! J'aurais pu passer par la petite coordonnette pour ne faire chier. Bienvenue à tous les amis, bienvenue! Alors ça c'est bon. Elle ou il, je sais plus qui c'est.
parle plus. Oui. Qu'est-ce que tous ces soldats font ici? Aider les rebelles. Halte! Ne bouge plus! D'où ils sortent tous ces zouloutes là? Je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé? Toi, quoi. Pauvre homme. Oh, ce doit être Otis. Ah, tiens, il s'est fait fracasser la gueule. Il porte une tenue de scribe. Ah, c'est bien Otis. Des traces de torture. Serge, je ne sais pas quoi jouer. Bah attends, il y a Horizon qui sort. T'as Horizon qui sort là dans pas longtemps. Ah ouais, toi t'es au milieu. Tu vas pas me faire chier longtemps, mon petit gars. Des documents provenant du palais royal. Ah, rien qui puisse m'être utile. Ok. Les rouleaux sur les dépenses du palais. Aucun intérêt. Ok. On va monter à l'étage. Oh putain, c'est un de ces bordels là-haut. Le sang du scribe. Il a tenté de fuir. Oh putain, c'est un de ces bronzes. Mais dégage, je suis fait chier. Moi, je tenais vraiment à ne laisser aucun témoin. Ok. Il a été attaqué pendant son sommeil. Salut Mathieu, comment ça va? Cette jarre contient quelque chose. Cette jarre contient quelque chose. Ok, mais je veux pas prendre ce qu'il y a dedans. Pourquoi? Pas de soucis. Pourquoi pas? On sortira dans l'investigation. Mais là, j'ai tout regardé là. Ah, attends. Faut que je la pète, non? Des notes cachées. Intéressant. Merci d'avoir réuni ces informations, Otis. Va en paix alors que tu traverses la douane. Et sache une chose. Si je parviens à mettre la main sur ce général Rufio, il paiera. Ok. Pas mal. Où en sommes-nous? Nous en sommes. Qui nous reste? Ok. On a celle-là. Ou celle-là. Et ensuite, on a la quête principale. Donc ça, ça nous mène, nous. Alors, des fois, j'ai des bugs. Faut que je re-rentre et que je ressorte. Pour réussir à choper le truc. Est-ce que je te trouve ou pas? On trouve des lunes dans toute l'Égypte. Ah, ok, d'accord. Ah non, c'est bon. Ça va me saouler. Non, il y en a trois butés. On va faire... Épreuve d'Anubis, c'est quoi ça? Niveau 40. Écoutez, on va jeter un coup d'œil. Hein. Je ne sais pas si on a le niveau, mais... C'est où cet endroit? Encore? Ah, c'est ma gueule, quoi. Ok, si, c'est le bug. Allez, on y va. C'est parti! Thank you.
on est good. Bienvenue à tous, les gars. Bienvenue. Alors... Bon, je sais pas si c'est un gros boss, les épreuves d'Anubis ou pas. C'est possible, hein. Elle est ma cheval. Ouais. Parce que la dernière fois que j'ai vu une épreuve d'Anubis, je crois que c'était un gros gros boss. J'ai terminé. Bon. Niveau 40, moi j'ai niveau 38, ça peut être faisable. Hein. On va tenter. On va voir si j'ai le niveau. Peut-être pas, hein. Peut-être pas. C'est, je crois que c'est Robin qui est sur Red Dead Redemption. C'est ce qu'il a gagné. C'est le jeu qu'il a choisi quand il avait gagné les jeux. Ouais, je crois que c'est ça. Aucun boss me résiste, ouais, pas, je suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr du tout de ça. Quand c'est des petits boss, je te dis ok, mais quand c'est des très gros trucs énormes, là, voilà, comme ça, là. Je trouve chelou ces trucs, je sais pas comment on les bute. En fait, c'est qu'aux flèches, je crois. Le truc, c'est que tu fais comment? Parce que j'ai pas assez de flèches en fait. Ah là, je peux récupérer des flèches, ok. Ah, mais je suis en train de crever moi là. Je vais même pas capter. Ah là. Ouh. J'ai deux fois, je suis enfermée. Putain. Pas sûr de réussir à faire ce genre de machin. Hein. Où je suis où? Je me creuse! Des flèches! Sors, je sais pas où tu es du tout. Sors. C'est une grosse merde ce truc. Je suis pas assez forte avec ça. Putain merde, j'ai plus du jeu. Ah, c'est un boss du DLC. Putain, saute. Quoi ça là-bas? C'est des flèches! Ah mais moi là, mais... Putain. Comment t'arrives à les buter? Tu peux pas les buter ces sortes de merde hein? Ah putain merde. Ils sont les cons.
Oh mais je peux me barrer en fait. Oh merde. Putain, j'ai crevé. Oh ça serait trop dommage. Ouais, j'ai un niveau trop petit. Je sais pas comment on les bute. Ah mais même en essayant de les esquiver, je galère à les esquiver, les cons. Qui? Ah oui, c'est vrai qu'en les butant, j'arrive pas à les esquiver, c'est trop la merde. Donc en fait, parce que moi, il veut pas courir, il veut pas se... Quand j'essaie de faire la... Voilà, l'esquive comme ça, c'est la grosse merde. Ah en fait je peux pas, je suis obligée de les buter à eux, d'accord. Là. Voilà. En fait, il faut que je les bute. Chaud. Récupère les pièges. Je vois que dalle. C'est trop la merde pour les esquiver. Ils sont de plus en plus difficiles et en plus ils sont de plus en plus ces connards. Je sais pas comment tu fais pour les esquiver toi Ludo. Mais merde. En plus ils sont 7 là. C'est un grand monde. Putain, mais ils sont chauds ceux-là à buter. Ça serait dommage que je meure. Non. Encore. Chien de merde. Oh merde, encore, fais chier toi, tes trucs à la con. Putain, j'aurais dû me prendre un là, un bouclier qui marche mieux. Parce que celui-là, il envoie trop de trucs. Bon après, ils sont quand même plus puissants. En fait, c'est eux qui me défoncent toute ma vie. J'ai pris le coup. C'est un grand mot, j'ai pris le coup. Je suis pas sûre d'avoir pris le coup, mais...
Allez, on y est presque. Le monstre, il s'est pris un Spider-Man. Mais si je retourne, est-ce que je la refais la quête là? Examiner le big. Ok. Le bug. Oh non, merde, faut le refaire encore? Oh merde! Oh mais non, non, je le refais pas là. Bah attends, attends, on l'a vaincu déjà. C'est quoi cette histoire? Pourquoi je dois le refaire? Ouais mais regarde, la quête, elle s'est pas validée la quête. C'est chelou, non? Il y a un problème. Parce que normalement, la quête là, vu que je l'ai battue... Ben c'est bon, elle est finie la quête. Oh non, t'es sérieux, il y a eu un bug, Ludo. Oh ben non. Oh mais fais chier. Oui, mais pourquoi j'ai toujours à vaincre Anubis? C'est-à-dire quoi? Ça sert à rien d'avoir une quête alors si tu peux pas le vaincre à lui. Tu vois ce que je veux dire? Je vais me laisser mourir, mais... Ouais, parce que là, ça y est plus. Peut-être qu'il y a d'autres épreuves Anubis. Je vais voir. Parce que là, ça me le met plus. Je sais qu'il y en avait une autre en haut, elle était par là, mais... Oui, je pense au bug aussi, car si j'ai bien vu, t'avais pas encore tiré ta flèche. Bah je pense qu'il lui restait... Il avait plus de vie, et il est mort, puisqu'il y avait marqué « terminé », là. Mais je crois que tu peux avoir d'autres armes. Ok. Donc en fait, cette quête, elle sert à rien en fait. Parce que vaincre Anubis, ben, je l'ai déjà vaincu. Mais j'ai pas de flèche. Je vais essayer de le refaire pour voir. Ah, c'est là-bas. Parce que là, ça me dit carrément que je l'ai pas vaincu. Ou à moins que j'ai tiré et que ça soit fait à ce moment-là, mais. Mais là, j'ai l'impression que je le touche pas du tout. Ça va super, mon petit Renaud. Ah, j'ai eu le trophée, je l'ai réussi, ok. On l'a bien vaincu, mais sauf que... You
que ça me l'a pas, ça me l'a pas validé. Ça me l'a validé pour la, le trophée, mais ça me l'a pas validé pour l'autre. Mais sérieux. Mais là, ça va être costaud pour le buter. C'est clair. Le jeu veut nous torturer. Je suis d'accord avec toi. Oh merde. Ah ouais, mais là c'est vrai qu'ils nous tombent en même temps les deux points. Déjà, je gère beaucoup mieux que tout à l'heure. Je meurs moins, donc ça c'est pas mal. Sors. Fais buter la gueule là. Putain, mais ça, ça lui enlève que dalle. Pas grand chose, les gars. Mais je lui relève millimètre par millimètre à lui. Oh le mec.
saloperie. Non, 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 sors. Sors. Je vois rien. Je vois que dalle. Mais qu'est-ce qu'il fait hein? Putain. Tu m'as fait une de ces merdes, mec. J'ai rien compris. Allez, on y est presque. On est bon. Donc on l'a buté. Ben voilà. Ça avait pas marché la première fois. Sable avec lui. Ça marche pas en fait. C'est pas possible, on a un bug. Ah, la 4 elle est toujours là. Un objet d'équipement d'Anubis paraît épreuve des dieux actifs. Collecter tous les objets d'équipement. Je sais pas, ça doit être. Je sais pas ce que c'est. Ouais, elle restera toujours, tu penses? Parce qu'il y a marqué qu'il reste 2 heures pour cette quête. Parce que ça, c'était l'épreuve, c'est un autre boss, je m'en rappelle. Mais c'est vraiment bizarre. Ouais. C'est assez étrange, je trouve. Mais bon. Écoutez. C'est pas grave. Mais au moins, on a vu que c'était pareil. Mais si c'est un bug, c'est un gros bug. Et ça va rester comme ça, quoi. Eh bien, les amis, on va se laisser ici pour l'épisode. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne, à vous abonner pour les personnes qui souhaitent s'abonner. Les abonnements qui sont gratuits et classiques. Qui vous donne accès à tous les lives de la semaine. Vous avez aussi des abonnements à 4,99€ qui vous permettent de jouer avec moi en coupe. Donc voilà, je joue avec mes abonnés super fans. On est sur Far Cry 6 et sur Resident Evil 6 en ce moment. Vous pouvez aussi avoir accès au Discord privé et être éligible pour la liste sur une liste des tirages au sort afin de gagner un jeu vidéo tous les 2 mois. Voilà, pour être éligible à la liste, il faut être abonné super fan, venir 2 fois par semaine sur les lives et 15 minutes par live minimum. Voilà. Pour pouvoir être éligible pour gagner le jeu vidéo. En tout cas, je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous donne bien rendez-vous demain sur Fight Crisis. Mon petit Nico ne pourra pas être là demain, donc je vais voir qui est-ce qui peut le remplacer, sinon je ferai le live seul. Je vais voir si Alex il est dispo demain, donc je lui enverrai un message. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, passez une excellente journée, et je vous dis à demain pour Fight Cry. Bye bye tout le monde.